les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les ambassadeurs, parents et amis et bourrés, mesdames, messieurs. Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains, de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, d'où on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé. Longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans ce cercueil. Papa m'a donné du courage sous lui pour te parler de papa. Il te met de courage sous lui pour lui dire qui j'en ai mon papa le dit, qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui, j'en ai dans le monde qui te travaille, j'en ai remède et j'en ai respecté. Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli à l'amour. Même les gens vivent dans mes temps méchants. Papa, tu es un modèle pour chaque grand monde. Papa, tu es honnête. Tu es bon à tout le monde. Tu as prêché tête ensemble, même si tu as vécu dans mes temps traite. Il était compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader. Un vrai leader. C'était président nous. C'était président Pam. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est ton président qui t'a vivre pour peupler et qui finit par mourir pour peupler. Moi, je connais, je te confère, moi, papa, des fois, je suis un tyran, je te confère, moi, je suis un méchant, je suis un diable. Je te dépense un peu comme ça. Mais moi, je connais tout que, dans le matin 7 juillet, je n'ai pas fermé, je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous sommes bien clairs pour nous. Alors c'est ça que nous avons fait dans le genou. Nous avons mis des garçons et des femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires libres dans chaque action que nous faisons. Les gens qui ont accent, c'est des choses qui sont fragiles.
jodi yon la, démon disparaît. Mais yon l'idée, on l'idée qu'a simple, mais elle était éternelle. Nous capables, Haïti pour Haïtien, tout Haïtien doit y même droit. Haïti va louer tous pour yon petit parti moun seulement, mais louer tous pour tout le monde. C'était l'idée ça yo. C'est l'idée ça yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça yo, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant, pas c'est n'importe où. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les ravissis pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans laquelle. Ce n'est pas la première fois qu'il a assassiné le président. Il a déraciné papa. Et pourtant, Jean a dit qu'il n'y a pas de changer. Mais nous avons fait même erreur, nous avons fait plus que deux siècles à faire. Nous avons le goût, c'est vrai, nous avons le goût. Mais il faut que nous avons la sagesse. Ce n'est pas la violence pour nous. Nous voulons vous mettre, oui, nous voulons vous mettre. Mais nous voulons vous mettre toute tête, nous, pas avec des amis vietnamiens. Moi, c'est que chaque action, nous, chaque décision, nous prend, continue à honorer mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse. Des trois pouvoirs de l'État. Et des institutions publiques. Messieurs, mesdames, messieurs, les représentants des pays amis d'Haïti. Frères, sœurs. Du Nord et du Nord-Est. Du Nord-Ouest. Des 10 départements en général. Vous, les membres de la famille, très frères, sœurs, c'est pour moi un amour, un honneur de prendre la parole au nom de la famille Moïse. Docteur Bruno, Alexandre, Félix, Aubourg, Jean-Louis, pour rendre un dernier hommage à notre frère Jovenel Moïse, entre parenthèses, Nenel pour la famille. Mon frère était un homme sincère, honnête, spécial. Qui ne se laissait vibrer par les propositions indécentes. C'est peut-être ce qui a valu sa mort tragique et crapuleuse aujourd'hui. Parce que jusqu'à son dernier mot,
Il en tient tête. Oui, c'est ça même. C'est nous qui le vagement de la jusqu'à son dernier soupir. On continue, on continue. On continue. L'eau, l'eau, l'eau. Je dis, alors comme je disais, moi personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que il a pu tenir la tête. Haute et altière jusqu'à son dernier soupir pour l'histoire servira à l'encre indélébile de son nom. Et on peut considérer mon frère comme le deuxième mon frère, il a considéré comme le deuxième Je voudrais pas être trop longue, car les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Mon frère Néniel, toute la vie a été véritable dédicace à ta famille et au plus faible. Enfin, Nénel, tu n'es pas mort. Tu n'es qui plus est, tu n'es pas parti. Quand, comme l'avait si bien dit, c'est l'ouverture et je cite en me renversant, on a battu à ces domaines que le trône de l'âme de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie. Et que le peuple haïtien rende justice à mon frère.